Exardov espagnol. Le Pacha. Exardov ne joue pas. T'as pas de drapeau espagnol, Bakou ? On peut le dessiner au pire. Magnifique. Ah. Ce qu'on fait, c'est que tu commentes en espagnol et je commente en néerlandais, ça te va ? Oui. Je commente en japonais, si tu veux. Ouais, non, je pense qu'il y a beaucoup de français en silver quand même. Il y en a un petit peu, je pense, en bronze aussi. J'espère pas trop, mais il y en aura forcément un petit peu. Ouais, de toute façon, on va laisser les gens voter pour ce qu'ils veulent. Et du coup, ouais, pour l'instant, Xardov, je l'ai jamais. Enfin, je le connais pas du tout. Il est chaud. Il est chaud, ok. Bon, un Fox contre Fox. Knuckles. Knuckles qui vit avec Jim Morrison, donc il y a. Il y a bagarre. Est-ce que Xardov va pouvoir surprendre Knuckles ? La tech chase. Ouais. Très bon contrôle de l'espace. Il veut vraiment rester au centre pour l'instant, le Fox. Il fait pas l'erreur d'aller direct sur l'edge, enfin sur les bords. Là par contre, la DI qui fait mal. J'ai même pas l'impression que ça allait tipper et au final, attention. Ouh, il a pris un risque. C'est bien joué. Ouais. Ah, il se fait malheureusement beaucoup. Dashback grave. Ouais. C'est difficile de lutter contre ça quand. Contre Marf. Bien overshoot. Ouh, très bonne spot dodge. Et converti très nice. Bien. Nice. Très carré. Il a pas l'air surprenant pour le moment, techniquement, Xardov, je le voyais faire des singles laser, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est une volonté ou si c'est juste qu'il fait pas de double laser. Single laser c'est bien aussi parce que du coup tu peux avoir une hauteur qui est. Tu peux toucher à la fois. Oh, très très bonne tech, ça va être B. Dommage. Très très bien de la part de Knuckles d'avoir crouch le side B sur le ledge. C'est important de le faire, ça va beaucoup plus vite que Shield. Situation d'edge guard, est-ce qu'il peut conclure ça? Side of Shine qui malheureusement connecte pas. Bonne pression. Ouais, tu vois, j'ai l'impression qu'il peut bien plus monter des damage avec les lasers Xardov parce que Knuckles il reste vraiment très très loin. Il reste sous les plateformes, il veut pas avancer plus loin. C'est vrai. Et du coup, genre, c'est Xardov qui choisit ou non s'il y a bagarre. Oh, dommage. Très bonne fall chart malheureusement. Un tout petit peu long sur l'exé. Overshine. Corner, faut qu'il garde ce corner. Ouais, faut pas non plus qu'il Knuckles se fasse prend son grab temps. Non plus, hein. Faut pas qu'il perde patience, Xardov. Nice. Oh. Ah, c'est exactement ce qu'il fallait. Dash. La bonne dash attaque au bon moment. Nerf killer. Est-ce que ça va suffire? Nice. Très bon. Ouais. Xardov qui prend. Ah non, pardon. Il y a une stock en moins. Match très even pour le moment. Ouais. Bon shine malheureusement. Difficile de connecter avec un grab. Oh, très bon shine. Très bon shine malheureusement. Aucun des deux n'a touché. Il va tenter le gimp. Aïe. C'est fait reverse. Ouais, là. Oh. Oh là là, ouais, ça c'est. Aïe. Il est blessant ce tipper. Les plateformes de BF contre Marf, c'est terrifiante. Ouais. Ça tipeur très vite. Surtout qu'il a pas bronché Knuckles quoi, il l'attendait vraiment ce upbeat Rico High. Et Knuckles qui m'a l'air plus patient que Xardov dans le neutral. Ouais carrément. Xardov il fait deux lasers, il go in. Alors ça marche souvent. Mais du coup il risque de se faire corner parce que encore une fois Knuckles il reste vraiment dans les coins quoi. Il veut son grab près de l'edge. Ouh, il a choisi pour le tipeur. Ouais. Bonne idée. Oh, nice. Nice, okay. Très bonne couverture, il a bien suivi le fall. Clean pour le moment. Ouais, c'est là que tu vois, genre, un Mars qui s'est joué contre un Fox, c'est un Mars qui a pas beaucoup d'ouverture, mais dès qu'il en a, ça prend la stock. C'était pas forcément des gimps, hein, c'était juste un bon punish. Tandis que la délégation néerlandaise est juste derrière. Ça part sur Dreamland. Alors là, il va falloir se servir de Dreamland pour garder l'espace. Le chain grab, il va falloir aller sur une plateforme le plus vite possible. Par contre, là, ouais. Ok. Sur la plateforme. Ouais, 36% quand même. 36%. Ouh. Ouais, les corners, ils chopent un grab. Up air, un deuxième, un troisième. Dommage. Il faut qu'ils sortent de cette plateforme. Oh, F-slash. No jump. Ah, c'est pas mon jump. Bah maintenant plus de jump, voilà. Il l'a utilisé au mauvais moment. Ouais, il voulait grab ledge, par contre la caméra était un peu partie dans les choux. Donc il a pas bien visé son edge malheureusement. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, alors à ce moment là s'il saute pas il se prend un smash depuis la top plateforme donc C'est vrai. Oh, attention le gimp.
Okay, si grab son shine, ça fait mal. Ouais. Ok, parce qu'il peut faire ça, gros. Oh, dommage. Le double jab qui... Très bonne couverture des side B. Nice. Très bon shine au sol. Oh, oh allez. On a entendu. Très bonne smash jet sur le pair. Normalement, ça suffit pas, Xadov, qui a gardé. Les couilles d'aller grab comme ça, direct un Mars qui tombe sur l'edge. Ouais, faut... Ouf. Bonne roll, se sortir de là. Très bon. Ah, il fait beaucoup de, il tente beaucoup la Far Throw. Far Throw pour avoir le Gimp, Far Throw Soul Shine, c'est une option qui peut trouver des stocks assez rapidement, malheureusement. Ça, il l'a fait trois fois, il n'a pas réussi à trouver, je pense que Knuckles c'est... What? Voilà, smash DI up, incroyable. Il revient sur un très bon crouch encore du side B. Mais gros, il choisit l'option vers le bas. C'est couvert par Knuckles, et Knuckles qui prend la stock. Il a beaucoup couvert. Non, ça, ouais, ça se voit, il est à l'aise dans le match-up, Knuckles. Hein. Ouais. Zardov qui manque un peu de patience, qui se fait beaucoup dashback grab ou dashback F-smash. Nice. Pas hésiter à overshoot de temps en temps. Marf. Nice. Très bon shine. Ça, c'est très très beau. Ouais. Je pense qu'il en avait besoin, surtout à ce moment-là. Ouais. Bon, le change to shield qui touche pas. Très bonne direction le drill de la part de Knuckles qui permet de sortir du drill, choper un grab. Ouais, là, oh, dommage, la bonne pression, c'était très là, il joue bien avec les plateformes, je trouve, là il se lance plus trop, tu vois, sauf ça. Il a très bien fait le spot dodge parce que le dashback arrive encore. Et l'undershoot nair par contre un Mars. Et bah voilà, peut-être, l'Espagne peut encore exister. Xardov, qui a encore une chance de rester en vie. Un bon nair, situation d'edgeguard, bonne couverture. Oh le jab. Oh, what? Comment rater ça? Oh, les très bon shine, up pro. Alors peut-être. Nair. Oh, no jump. What the fuck? Il a tenté. Et les NL derrière, satisfaits de leurs joueurs. Bien sûr. Bien sûr.